Hello, my name is Dean Werdham and I'm the head coach of Barcelona Football School. Today I would like to present you the first edition of the U14, U18 training online programs. Within the training online programs, we'll go over four different parts of a session. First being warm-up, second home skills training, third challenge, fourth tactical learning. For the warm-up, all we need in the warm-up is four cones placed out in a diamond shape, or if you don't have cones at home, you can use anything from toilet roll to bottles. Okay, so all we're going to do is we're going to place the ball on the floor and we're going to work on a simple ball mastery technique. So to start off with, just toe taps and go around the cone that is in front of you. Work your way back into the middle, turn. And then again, you're going to go out to a different cone. You're just going to keep going until you've completed all four sides of the diamond. And then once you've completed all four sides of the diamond, you're going to change your technique. Okay, so that's the first technique that we're going to use. Second is the inside taps. And again, we're going to repeat the same thing again. Try not to touch the cone. Very simple. So there's your warm-up. You can variate it a little bit. You can add one more aspect in, which is simply just dribbling with the ball, going around the cones, trying to use both feet where possible, using different surfaces of your foot. Okay. So there's your warm-up. You can be creative, you can add anything in there that you want really, from toe taps, inside taps, to basic dribbling. We're now going to move on to the home skills training. Again, we're going to stay working in this diamond area. But this time we're going to number the cone and we're going to start behind. You're going to work on a step over, and then you're going to call out a number. So for example, this one to my right is number one, number two, number three. So you're just going to be there casually doing step overs. You say number one, we're going to go out to the right, and we're going to do the same thing. If we say number three, we go across. So in here we're just working on simple footballing skills, such as step overs, scissors, things like that. Again, you can add a variation. A variation would be, you say a number, and that will affect how many step overs you do. So example, if I say three step overs, one, two, three, and then I move out to the next one. If I say four, one, two, three, four, and I move out to the next one. And then so on and so on and so on, until you completed all four. Now for the skill, the challenge part of the exercise, I'm going to challenge you guys at home to see if you can be creative and set you a little bit of homework. Can you create any type of skill that you can use in here to be able to help you change your direction? So I'm going to give you a few examples. I'm going to dribble out, step over, take. Step over, take. Drag back, interior. Take, drag back. This is a small little challenge. I've used four different turns, skills to change my direction and go away from each cone. Give that a go, see how you do. I think you will have some fun, and I hope to see you next week for the second edition. Alors, comme promis, jeune champion, chaque semaine, une notion tactique. Cette semaine, on va travailler sur une notion plus défensive que offensive. On va parler du marquage. Alors, le marquage.
On sait tous ce que c'est le marquage entre U14, U16 et U18. Et par contre, on n'a peut-être pas eu le temps de voir ensemble les types de marquage. Alors, les types de marquage. On va parler d'un marquage individuel, c'est-à-dire un marquage qui consiste que le joueur il a une marge fixe homme à homme. C'est-à-dire, quand on dit « wahed wahed », voilà, là on parle de marquage individuel. Le deuxième type de marquage qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est le marquage zonal. Ça veut dire qu'un joueur va défendre toute une zone contre l'adversaire. Et ça, on le verra dans un petit instant en mouvement. Ensuite, le marquage mixte. C'est un type de marquage comme le zonal, mais qui a une différence. Quand cela est dans notre zone, il se convertit en individuel. Alors, on va l'expliquer dans un petit instant. Alors, là, on parle de notre équipe, donc qui est l'équipe jaune, et on va voir le marquage individuel. Alors, le marquage individuel est comme suit. Voilà, donc le joueur bleu a bougé, le joueur jaune a suivi, et là, on parle d'un marquage individuel. On voit un deuxième joueur bleu de l'équipe adverse qui bouge, et là, on va avoir également un autre défenseur de notre équipe qui va bouger. Là, on va avoir une deuxième notion de marquage. Cette deuxième notion de marquage s'appelle le marquage zonal. Alors, cela veut dire qu'on a ici découpé notre moitié terrain et on va voir que l'équipe adverse est l'équipe donc qui est en bleu et là, le ballon. Alors, une fois que le joueur de l'équipe adverse rentre dans notre zone, on va donc être sur cette partie-là. Donc on va faire grossir un petit peu son attention par rapport au joueur qui est dans notre zone. Alors, si le joueur passe dans une autre zone, c'est au joueur qui a en face de lui l'adversaire dans sa zone de grossir son attention. Alors, comme on peut le voir effectivement sur le schéma ici. Alors, ensuite, on va voir cette notion de marquage mixte. La notion de marquage mixte est comme suit. Alors, le marquage mixte, on va avoir en fait un joueur donc, qui est un petit peu éloigné. Pour l'instant, il ne représente pas réellement un danger. Et donc, on va voir que quand il est dans notre zone, cela se transforme en marquage individuel. Le joueur de notre équipe ou le défenseur de notre équipe va se rapprocher de lui pour lui faire un marquage individuel. Si le joueur se déplace dans une autre zone, alors dans la zone de mon coéquipier, et là ça se transforme en marquage individuel. Voilà, donc on aura